Bonjour à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Kekofruit, je suis Kekofruit et on est parti sur quoi on se retrouve aujourd'hui sur Epic Hard Jump. Donc c'est un jeu de parcours comme vous pouvez le voir, c'est un peu badass, le jeu a d'ailleurs l'air de bien laguer. S'il te plaît j'aimerais jouer. Voilà, donc ça a l'air d'être commencé. Est-ce qu'on sait? Donc on commence directement, bram, les contrôles sont assez cool. Bouh, voilà, donc comme vous pouvez l'observer de là où vous vous trouvez, c'est un peu un truc genre Total Wipeout hein. Donc on part vraiment sur une bonne nouvelle hein, du point de vue gaming en français. Avec un jeu indépendant déjà mis en asserti et etc. Donc c'est plutôt bien. Hop là. Donc voilà, donc c'est assez sensible. Très bien. Hop, excusez-moi pour ce léger... Hop. Donc voilà, c'est assez sensible. Donc avec un décor très coloré hein. Concentration extrême. Qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas l'air de pouvoir passer par là. Pourquoi? Ok. On va passer ici. Oh, on était dessus, on était dessus. Donc oui, le risque c'est évidemment tomber dans ce gouffre sans fond. Voilà. D'accord. Ça a l'air en soi plutôt cool. Je me demande si on peut tomber là. On ne peut pas passer entre les piliers, ça je le sais. Très bien, où vais-je? Donc là, c'est de là où je viens. D'accord, bon, finalement, j'avais juste à passer au-dessus. Hein. Très très bien. Donc, petit saut, voilà, petit jeu indépendant, les amis. Hein. Pouf, facecam toujours. Voilà, j'allais dire qu'il demande grande concentration. Voilà, donc on se retrouve au même niveau que tout à l'heure. Blam, on a passé ça. Alors. Je ne sais pas si c'est censé représenter ceci des nuages. Ça a l'air. Enfin bon, on va continuer de jouer. Alors, le cadrage de ma première vidéo facecam sur Super Mario Rage était absolument nul, hein, qu'on se le dise. Donc du coup, j'essaye de faire des efforts, de rester droit, parce que sur Mario Rage, j'étais un peu en mode comme ça. Les souvenirs. Voilà, donc on essaye. Donc voilà, donc là, une petite pouterelle sur laquelle on passe avec aisance. Voilà, bon, je me demande pourquoi je... est-ce que je peux mettre la zizou? Oui, je peux mettre... Non, je ne peux pas mettre la zizou. J'ai pas mis la zizou. Très bien. Voilà, donc on se retrouve sur la poutre sur laquelle je suis... j'ai flanché tout à l'heure en voulant grucher un peu. Ça a l'air de se compliquer en face de nous. On va voir ce que ça nous réserve un peu pour la suite. Pouf! D'accord. J'appuyais mal sur le Z. Oh là, mais quel skill limite! Je vais vous le faire en rush à la fin de la vidéo. Hop, tac, tac, tac. Plif, une petite porte. Alors, j'imagine que là, je vais pas pouvoir mettre de zizou. Hein. Évidemment, je suis sûr que si je tente de sauter, je vais avoir un petit mur invisible. Vous êtes prêts? Voilà donc. Je vous l'avais dit. Hop. Tac. On tente pas de gruger. On fait le parcours comme il faut. Vilain Keko. Hop. Oh, une première sphère sur laquelle il va falloir marcher dessus. A mon avis, je vais pas pouvoir rester dessus bien longtemps. Il va falloir que. Un minimum que je. Bah, en fait, d'un coup, comme ça en mode rush. Hop. Oh, mais c'est le bonhomme. Mais c'est un bonhomme ce Keko Fruit. D'accord. Donc là, c'est extrêmement fin. Donc là on part sur une petite planche de bois sur laquelle il va falloir marcher assez posément. Ouais, plutôt easy. On reprend la bonne vieille poutre, donc ça... Ok, alors je me demande une petite chose, est-ce qu'on peut juste courir? C'est quelque chose que j'ai pas forcément tenté. Je vais me remettre là, pour tenter un peu les manips. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'aller plus vite quand je fais ça? Ouais, enfin, ça va plus vite hein, quand je fais ça. Non, pas trop. Quand je fais ça... Non, c'est la même. Et si je double Z? C'est tout pareil, très bien. On a vu, faut le faire genre en courant. Ah! Oh! Oh! Le petit piège. Enfin, piège, je ne sais pas. La petite feinte qu'il nous a faite. En mode, ah, je suis mort et tout. Mais en fait, non, t'es pas mort. Ok, donc là, on part sur du délire Fort Boyard. Total Wipeout. C'est assez intéressant. Voilà. Voilà. Voilà.
Plutôt easy, hein, si je puis me permettre. Tac. Sinon, ce skill est insurmontable. Que faire? Que se passe-t-il ici, là? C'est quoi le délire? Il faut que j'aille en face. Il y a nulle part où on va avoir la possibilité éventuelle de se déplacer. Bon. On y va en mode on a la SDEG ou quoi? Mais ça a l'air d'être la fin, hein. J'ai l'impression d'avoir fait tout le parcours, quoi. Oh! Voilà, donc vous l'avez souvent, sûrement remarqué. J'ai un timer en haut, à... excusez-moi, en haut à gauche, et j'ai le nombre de morts en haut à droite. Donc moi j'avais toujours pas remarqué, vous avez dû le voir dès le début en mode ouais, j'avais vu et tout, mais moi que dalle, j'avais rien vu. Donc là vous pouvez voir que je suis mort quand même 13 fois. Oui, parce que hein, je coupe la vidéo hein, quand, pour me remettre aux endroits, vous vous en serez douté. Donc voilà, donc on est retourné au passage Total Wipeout, Total Dissidence. Alors, faut faire attention de ne pas se cogner la tête sur le haut de la poutre hein, et éventuellement, en fait, je pourrais en faire deux d'un coup. Non, ça va être chaud hein. Allez. Non, je préfère pas, j'aimerais tenter déjà. Je ne comprends pas. Très bien, écoutez, on va finir sur un rush. Musique épique, maintenant. On recommence. Dernier essai, on a toujours droit à 3 chances, hein, c'est une règle de base, hein. Voilà, écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas... C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, il n'y a pas de souci pour ça. Mettre un petit like à la vidéo, un petit pouce bleu, comme ça, ouais c'est génial. Sur cette vidéo, laissez vos commentaires, vos impressions, voilà, comme ça, ça améliore un petit peu vos connaissances des jeux indépendants extrêmement bien réalisés, hein. Et voilà, donc dans ce cas-là, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite à tous... une bonne reprise de cours, même si ça fait déjà 2 semaines qu'on a repris les cours, on s'en bat les steaks, c'est toujours la reprise pour nous. On a du mal à se remettre de ses vacances, en tout cas c'est mon cas, j'espère que pour vous ça se passe bien. Gros bisous à tous, à la prochaine, ciao, et vive les parcours, on peut sauter dans le vide avec un super décor tout blanc, bye!